correct, because a pedagogic program is there and the children are supposed to go gradually. While some people will say they prefer their children to skip a class or to double classes. That is it. That is his own opinion. We are waiting for your own participation. Use the number you see below your screen as I leave you in the presence of the Holy Spirit and the man of God, Pastor Marcel of CBC Cathedral of Faith Omispo, who is going to bless you in 12 minutes time. He used to ask for 15-20. He has not said anything today. I'm sure his message is short. But I find the Mandela time aujourd'hui, ça va te couvrir ton message vraiment pour 10 minutes. Okay, viewers, just after this break, we are going to be with the Holy Spirit and the servants of the Most High God. La cathédrale de la foi omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit, initie une heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement, une heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans la famille, je lui donne 48 heures de repentance. Tous les jeudis, 12h-13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement. Une heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières. Avec le prophète Baya Akame. Quelle que soit la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires, aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. Une heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'est à la cathédrale de la foi omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heuredelexaucement@yahoo.fr. Et confiance. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canodi TV, bonjour n'est-ce pas à toute la population de Yaoundé et environnement. Donc je suis ce matin pour vous parler de la part de l'Éternel. Je salue mon papa, le général de Dieu, le révérend docteur Jundo Kamdem, qui m'offre l'opportunité de parler, n'est-ce pas, sur ses antennes, que le Seigneur, n'est-ce pas, lui accorde longue vie. Je bénis l'Éternel pour mon pasteur résident, le révérend prophète Bayar Akam, le prophète de l'heure de l'exaucement. Surtout qu'aujourd'hui, ça sera très spécial. Venez surtout avec des mouchoirs blancs. C'est l'instruction qui a été donnée depuis jeudi passé. Ça sera une heure de l'exaucement spéciale. Ce matin, je viens vous exhorter, hein, en même temps, prêcher sur le thème « Les quatre ennemis de ton progrès ne vivront plus ». Les quatre ennemis de ton progrès ne vivront plus. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 65, à partir du verset 21. La Bible déclare « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et mangeront le raisin. » Ils ne bâtiront plus de maisons pour que d'autres y habitent à leur place. Ils ne planteront plus de vignes pour que d'autres en mangent le raisin. En effet, les gens de mon peuple vivront aussi vieux que les arbres, ceux que j'ai choisis. Pourront profiter du travail qu'ils ont fait. Ils ne se fatigueront plus pour rien. Ils ne mettront plus des enfants au monde pour les voir mourir. Car ils forment la famille de ceux que j'ai bénis. Ce matin, je prêche sur le thème paralyser les quatre ennemis de ton progrès. Est-ce que tu sais que dans le plan de Dieu, lorsque Dieu, n'est-ce pas, a créé l'homme, dans la conception de Dieu, dans l'imagination de Dieu, Dieu a créé l'homme pour que l'homme avance. Dieu a créé l'homme pour que l'homme aille en avant, pour que l'homme progresse. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme reste sur place. Si tu vois que tu restes sur place, comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu nous a fait pour que nous puissions évoluer. Dieu nous a fait pour que nous puissions nous développer. Dieu nous a fait pour que nous puissions être bien. C'est pour cela, à un moment donné, vous allez remarquer que Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. C'était un processus d'évolution, un processus de dynamisme. Le Dieu que nous servons est un Dieu dynamique. Il n'est pas un Dieu mobile. Il n'est pas un Dieu stagnant. Mais vous allez remarquer que dans la plupart des cas, il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'emprise, qui sont engluées, n'est-ce pas, par des
esprits que j'appelle ainsi, les esprits, n'est-ce pas, qui empêchent le progrès. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Tout esprit qui empêche ton progrès aujourd'hui est paralysé au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quatre esprits qui luttent contre le progrès d'un homme. Il y a quatre esprits qui luttent contre le progrès d'un enfant de Dieu. Le premier esprit ici, c'est l'esprit de régression. Quand j'entends par régression, c'est un état dans lequel les forces méchantes que tu ne peux pas maîtriser te poussent sans cesse à reculer. Les forces méchantes que tu ne peux pas maîtriser te poussent sans cesse à reculer. Cette histoire peut être bien illustrée. Cet esprit peut être bien localisé dans le livre de Marc 5 à partir du 27-25 au verset 34. Dans ce livre de Marc 5, la Bible parle de la femme à la perte de sang. Elle en est un exemple. Elle a souffert dans les mains des médecins en quête d'aide. Cette femme est née dans une famille. Elle a grandi comme les autres filles. Elle avait normalement son cycle menstruel. Mais à un moment donné, cette femme a commencé à perdre son sang de façon continuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une force méchante qui était tapie dans l'ombre, qui est venue l'attaquer et a commencé à la retenir dans la régression. Elle a dépensé tout son argent. Et je parle à quelqu'un ce matin. Une personne qui a déjà dépensé tout son argent sur un cas qu'il n'arrive pas à identifier, comprends tout simplement que tu es sous l'oppression d'une force régressive. Plus elle dépensait son argent, plus son état allait dégradant. Plus elle dépensait son argent, plus son état allait dégradant. Je vais te faire comprendre une chose. Cette femme n'était pas pauvre. Elle avait beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'elle dépensait de l'argent auprès des médecins. C'est pour cela qu'elle sortait beaucoup d'argent auprès des médecins. Aujourd'hui, je suis venu parler à toute force régressive qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de jouir, n'est-ce pas, du fruit de ton travail. Êtes-vous dans une pareille situation, comme la femme à la perte de sang, où les efforts que tu fournis pour aller de l'avant ne font que te faire reculer, où les efforts que tu consentes pour t'améliorer ne font que, n'est-ce pas, t'amener dans des complications. Je suis venu te dire ce matin, l'Éternel fera son entrée dans ta situation aujourd'hui et il te délivrera au nom de Jésus. Toute personne qui est retenue par des forces régressives, tu travailles l'argent, tu n'arrives pas à jouir de cet argent. Ce matin, la force régressive là, Dieu entre dans ta situation et Dieu te retire de cette oppression au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toute force régressive qui est en œuvre contre ta vie, contre ta santé, contre ton progrès, contre ta destinée, je déclare qu'elle s'expire aujourd'hui au nom de Jésus. Elle s'expire aujourd'hui au nom de Jésus. Aucune force régressive ne pourra résister, n'est-ce pas, à cette onction que je relâche dans ta vie. Toute force régressive, toute personne qui se transforme en esprit pour retenir ta vie stagnante, pour retenir ta vie sur place, tu travailles, tu ne vois rien. Tu travailles, tu ne vois rien. Dès que la fin du mois arrive, tous tes enfants tombent malades. Dès que la fin du mois arrive, c'est l'oncle du village qui meurt. Dès que la fin du mois arrive, le salaire que tu as pris, ça rentre seulement dans les maladies. Ce matin, toute force régressive qui opère à travers ta santé, je déclare qu'elle expire au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième esprit ici qui t'empêche de progresser est tout simplement appelé l'esprit de répression. L'esprit de répression, c'est un autre esprit, n'est-ce pas, un autre ennemi du progrès. La répression ici, c'est l'action de réprimer, c'est l'action de refouler, c'est l'action de contenir. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute, qui est refoulé, qui est contenu dans ses efforts, qui est rejeté? Comprends tout simplement que tu es sous l'emprise de l'esprit de répression. Dans ce cas, les forces négatives font tomber une personne et font tout pour la maintenir en frustrant tous les efforts qui doivent être en ressurgissance. À chaque fois que tu pousses l'effort, à chaque fois que tu dis qu'aujourd'hui, je décide de faire ceci, il y a une force répressive qui est là, n'est-ce pas, pour te dire tu n'avances pas. Il tape sur ta tête. Il dit que tu n'avances pas. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Toute force répressive dans ta vie expire aujourd'hui au nom de Jésus. Ceci
qui peut se manifester, bien-aimé. Quand une personne écoute des voix qui lui intiment l'ordre d'aller du côté adverse du progrès. Pendant que les autres vont, n'est-ce pas, à l'école, toi tu vas, n'est-ce pas, dans les boîtes de nuit. Pendant que les autres vont à l'école, toi tu restes au quartier. Alors que le matin tu as mis la tenue. La force répressive ne t'empêche pas de mettre la tenue. La force répressive ne t'empêche pas de ne pas mettre, de ne pas donner l'argent à l'école. La force répressive ne t'empêche pas de t'inscrire. Mais la force répressive t'empêche d'aller écouter les cours. Bien-aimé dans le Seigneur, nous illustrons, n'est-ce pas, ce cas dans le livre de Juges 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. La Bible parle, n'est-ce pas, ici des enfants d'Israël qui souffrirent de la répression d'un peuple qui voulut les obliger en temps de semailles. Ce peuple prétend ne pas voir les Israélites. Écoutez bien, bien-aimé. Ce peuple prétend ne pas voir les Israélites travailler. Ce peuple prétend ne pas voir le peuple de Dieu, n'est-ce pas, dépenser son énergie. Est-ce que tu sais que la force répressive te regarde d'abord, tu travailles. Il te laisse faire tout ce que tu veux faire. Il te laisse, n'est-ce pas, travailler, défricher le champ, semer le champ. Il attend et tu récoltes même. Mais dès que tu finis de récolter, la force répressive vient voler, n'est-ce pas, ta moisson. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Est-ce que tu es sous l'emprise d'une force répressive? Est-ce que tu es sous l'emprise d'une force répressive? Que cette force soit visible ou invisible. Qui soit visible ou invisible. Que cette force, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, dans ta maison ou dans ton quartier. Que cette force soit dans ton village ou dans ton pays. Je déclare que ces efforts expirent aujourd'hui au nom de Jésus. Ces efforts expirent aujourd'hui au nom de Jésus. Ces efforts expirent aujourd'hui au nom de Jésus. Une perte lui sera, n'est-ce pas, accordée. Après ce message, toute force répressive qui vivait de tes bénéfices, qui vivait de ton énergie, qui vivait de ta grâce, je déclare dans ta vie ce matin que cette force répressive expire au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le troisième esprit qui existe ici, c'est l'esprit de stagnation. Ah oui, l'esprit de stagnation, c'est un ennemi très dangereux. Lorsqu'on parle de la stagnation, ici c'est l'état d'immobilisation. Ici, à ce niveau, il n'y a ni avancement, il n'y a ni élévation. Tu es sur place, tu ne bouge pas. Tu es sous l'emprise de l'esprit de stagnation. Tu restes au point mort malgré les efforts. Ici, les efforts, oh bien-aimé, n'apportent rien dans ta vie. Peu importe les efforts que tu peux faire. Tout porte à croire qu'il y a une corde invisible qui t'attache, n'est-ce pas, à reculer, qui te tire en arrière. Pendant que tu vas évoluer, la stagnation, n'est-ce pas, t'habite. Cela est bien illustré dans le livre de Jean 5, du verset 2 au verset 9. Voici l'histoire, bien-aimé, d'un homme malade pendant 38 ans. Cet homme vivait dans la stagnation. Il était à la piscine de Bethesda, attendant qu'un ange vienne agiter l'eau. Il attendait un miracle qui ne se produisait qu'une seule fois par an et qui n'était destiné qu'à une seule personne. Malheureusement pour lui, il n'était pas capable, n'est-ce pas, d'accéder à cela. Il n'était pas capable d'accéder à la foule. Une foule attendait aussi, lui aussi il attendait. Il n'avait pas de pied, il n'avait pas la capacité. Il était stagné par cet esprit. La force de l'esprit de stagnation peut passer par une paralysie, peut passer par une maladie. Tu fais des concours, tu ne réussis pas. Bien-aimé, tu as les diplômes, tu ne réussis pas. Bien-aimé, tu as le talent, tu n'avances pas. Comprends que tu es sous l'emprise de l'esprit de stagnation. Et ce matin, il y a plusieurs personnes qui sont pleines d'espoir en début d'année. Mais à la fin d'année, elles constatent qu'elles sont encore sur place. Combien de prophéties tu as reçues au début de l'année? Combien de projets tu as fait au début de l'année? Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ces projets ne sont pas réalisés? Comprends tout simplement que tu es sous, n'est-ce pas, l'emprise de l'esprit de stagnation. Mais aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes et pendant que tu poses la main sur l'écran, je déclare que cette force de stagnation, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu m'a mandaté ce matin pour détruire la stagnation dans ta vie, pour détruire les efforts de l'esprit de stagnation dans ta vie. Êtes-vous pendant longtemps au point mort? Je déclare la vie aujourd'hui. Je déclare la vie aujourd'hui. Je déclare la vie aujourd'hui. Lève-toi et marche, bien-aimé. Pendant que tu es stagnante, lève-toi là où tu te trouves. Ce n'est pas ta place là où tu es là. Lève-toi, tu avances. Dieu t'a créé pour avancer. Dieu ne t'a pas créé pour rester sur place. Notre Dieu est dynamique. Ce n'est pas un Dieu de stagnation. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche en cette matinée. Le quatrième esprit
qui est lutte contre le progrès d'un individu, c'est l'esprit de retardement. Ah oui, c'est l'esprit de retardement. Le progrès, ici le progrès est à la traîne. Ici l'avancement et l'élévation sont très lents, très mous et négligeables, au point de devenir une jeune. Quand un adolescent de 13 ans mange encore au biberon ou se comporte comme un enfant de 2 ans, comprends que c'est le retardement. Un adolescent de 13 ans ne doit pas encore boire le biberon. Un adolescent de 13 ans doit, n'est-ce pas, manger le macabo avec le foufou. Mais si toi tu bois encore dans le biberon, comprends qu'il y a un esprit derrière ta situation. On appelle cela l'esprit de retardement. Ta croissance dans ce cas est une croissance en retard. L'esprit de retardement vous expose toujours sur le plateau de la honte et de l'humiliation. Sur le plateau de la honte et de l'humiliation. Toute personne qui est placée sur le plateau de la honte et de l'humiliation ce matin, je te retire de ce plateau au nom puissant de Jésus. Tu ne vivras plus la honte. Tu ne vivras plus l'humiliation. Tu ne vivras plus la honte. Tu ne vivras plus l'humiliation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Par exemple, une église d'une croissance de 5 membres en 5 ans se retrouve après 5 ans encore avec 5 membres ou avec 8 membres. Donc en 5 ans, une église peut croître avec 3 membres. Comprends que, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, serviteur de Dieu, comprends que ton église est sous l'emprise de l'esprit de stagnation. Votre progrès est-il entravé? Votre destinée reçoit-elle des coups de poing? Votre progrès insignifiant vous fait-il honte? Appelez le Seigneur aujourd'hui au secours. Il n'y a que Dieu, bien-aimé, qui peut parler à ces quatre esprits. L'esprit de répression, l'esprit de régression, l'esprit de stagnation, l'esprit de retardement. Ce sont des mauvais esprits, des esprits dangereux qui empêchent les enfants de Dieu, qui empêchent les individus, qui empêchent le peuple de Dieu d'évoluer, qui empêchent le peuple de Dieu de progresser. Êtes-vous sous l'emprise de cet esprit? Aujourd'hui, appelez Dieu au secours. Restez connectés à la bonne parole. Tout le monde restez connectés à l'évangile. Restez connectés, bien-aimés, à la vérité évangélique. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te faire sortir de ce mauvais esprit. En cette matinée, je prie pour quelqu'un. Que Dieu lui-même t'accorde la grâce de sortir de cette emprise. Au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu va te toucher en cette matinée.